Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Iron Duster, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau logiciel de capture. Alors, ce logiciel de capture, c'est Overwolf, un logiciel qui est vraiment assez complet, qui filme pas mal et qui est vraiment très utile. Avant de commencer, je vais tout d'abord vous dire que j'ai commencé avec beaucoup de logiciels, c'était vraiment très compliqué pour trouver le bon qui fonctionne. Alors, en passant de Action, Mirilis ou encore ou la série des Camstasia en général, j'ai franchement galéré à trouver le logiciel. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Donc, nous voilà sur l'interface de Overwolf. Alors, Overwolf, c'est quoi? C'est déjà un logiciel gratuit. Totalement gratuit. Après, vous avez des achats dans le logiciel. Alors, j'entends par achat, vous pouvez acheter, je crois, des jeux. Hein. Enfin, pour l'instant, il met des trucs free, mais vous verrez, il y a des trucs payants. À moins que ce soit totalement gratuit. Je ne sais pas. Donc, on a l'interface un peu à la Steam, un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez en haut donc, les apps. Donc, on va y voir un petit coup. Donc, voilà, franchement, c'est... Vous voyez, c'est, je crois que c'est payant, vous pouvez acheter des trucs vraiment dans le logiciel. Enfin, non, c'est des DLC, je crois, ou des... Non, attendez, ce sont des applications pour les jeux. Donc, voilà, vous voyez, il y a des trois petits trucs dans les apps, il y a pas mal de petits trucs sympas. Après, donc, vous avez les skins. Alors, les skins, c'est... Bah, voilà, les skins, c'est ce que ça veut dire, c'est skins un peu pour tout. Donc là par exemple vous avez donc les petits trucs comme ça, regardez, c'est ça en fait. Là vous avez genre un petit accès rapide, aller sur internet, ouvrir donc le launcher, donc ça pour filmer le support, ça c'est un petit truc vide que je peux rajouter. Bah bref, on verra ça plus tard. Donc là vous avez donc tous les petits skins pour ça. Les mods, ils ne sont pas encore arrivés hein. Ça arrive pas encore bientôt. Et donc, maintenant, nous arrivons donc dans la catégorie des jeux. Donc, les jeux totalement gratuits hein, que vous pouvez acheter. Enfin, que vous pouvez télécharger. Voilà, on va tout s'arrêter. On peut les télécharger gratuitement sans aucun achat. Bien sûr, les achats in-game dans certains jeux. Bon, je ne les ai pas tous testés, hein, mais il y en a quand même qui peuvent se jouer en ligne, notamment celui-ci. Je crois que c'est tout. Donc après, bah, je vais vous apprendre, vous pouvez rechercher des trucs, hein, voilà, voilà. Après, vous avez de petits onglets librairie. Alors dans la librairie, ce sont les jeux que vous avez. Bon, alors, ce sont pas vraiment tous les jeux, parce que je crois que j'ai quand même désinstallé, notamment Love Dude et Planet Side 2. Et franchement, si on compare à tous les logiciels que j'ai sur mon PC et ceux qui figurent dans Overwolf, il y en a quand même certains qui apparaissent pas trop. Après, vous avez donc les apps. Donc, voici tout ce que j'ai téléchargé. Donc, ça, ce sont les game pictures. Je vais rien vous apprendre. Et ça, ça devrait être un petit peu pareil dans le principe. Donc, toujours, vous pouvez chercher. Hein. Et dans les games, vous pouvez ajouter des jeux. C'est-à-dire, vous pouvez aller chercher les jeux que j'ai fait. Enfin, les jeux que j'ai sur mon PC. Et ça va peut-être vous en rajouter un ou deux, mais voilà. Ensuite, voici les skins, donc ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc le dock, on y viendra tout à l'heure. Le Windows, on y reviendra tout à l'heure, enfin maintenant. Donc le Windows, c'est genre la petite barre qui est au-dessus, donc ça, voilà. Les FPS, en fait, si vous voulez, genre quand vous allez lancer un jeu, je vous montrerai tout à l'heure. Ou je sais pas, je vous mettrai peut-être un petit extrait. Les FPS, c'est tout simplement le petit truc que vous voyez souvent en haut de mes vidéos ici quand on fait genre des petits gameplays sur Palada ou des petits jeux comme ça. Vous avez très souvent le petit onglet, un petit truc jaune, ça dit que vos FPS. Alors ça, ce sont les curseurs in-game, donc le son, c'est genre la qualité du son, si ça va être plus fort, ça va être moins fort. Et les games, alors ça, je n'en ai aucune idée, c'est quoi. Donc vous avez un pack, donc le défaut, et vous avez un deuxième pack, donc assez stylé et tout. Après, donc vous avez un système d'amis, enfin de chat, de TeamSpeak, hein, si vous voulez, ou de... Oh.
ou de, comment on appelle ça, ou de Discord, voilà. Après, vous avez donc le petit chat, bah voilà, le petit onglet de chat. Et après, vous avez la configuration du compte. Après, donc, venons-en au deuxième petit onglet que je vous ai pas montré, enfin, que je vous ai dit, on ira tout à l'heure. Donc, déjà, attendez, je crois qu'on peut le choper, on peut pas le choper déjà, ça me stresse. Donc, il va apparaître quand vous lancerez Overwolf sur la quad de votre écran, ça fait une petite bosse. Vous passez la souris dessus, vous avez juste à choisir un petit onglet, après vous pouvez le réduire. Tout ce qui vous intéresse, c'est les paramètres. Donc, tout est en anglais, absolument tout. Donc, en fait, plus tellement. Alors, les options, mais en fait, ça bug un petit peu. Si vous voulez, ça va toujours rester en anglais, c'est super relou. Donc, là, vous avez tous les paramètres pour les plus courageux d'entre vous. Hein, si vous voulez y aller, franchement, je vous souhaite bonne chance. Donc, j'espère que cette petite présentation. Non, d'accord, ils ne veulent pas. Donc, j'espère que cette petite présentation de logiciel de capture vous aura plu. Ce n'est pas un placement de produit ni rien du tout. Je fais ça parce que j'avais envie de vous le faire et de vous le présenter. Et parce que, très franchement, j'en ai bavé pour trouver le bon logiciel. Je vous referai certainement une petite vidéo où trouver les vidéos. Parce que, genre, quand vous. Regardez. Vous voulez, genre, trouver une vidéo d'Overwolf. Vous avez filmé votre jeu. Et vous voulez le mettre quelque part, enfin vous voulez faire un montage. Donc vous regardez ma vidéo dans comment utiliser Camtasia. Vous allez donc dans vos documents. Vous allez dans vidéo. Vous double-cliquez dans vidéo. Vous aurez Overwolf. Vous double-cliquez. Et là vous avez toutes vos vidéos que vous avez fait via Overwolf. Et après là-dedans vous avez donc toutes les miniatures. D'accord, je ne savais pas pourquoi j'ai ça. Pourquoi ai-je ce truc dans mes photos? J'en ai aucune idée. En plus ça bug extrêmement mon PC, j'en ai marre. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le pouce en l'air. Et la facecam devrait bientôt réarriver, tout du moins je l'espère. Parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai une très bonne caméra et tout. Et j'ai envie vraiment de la faire. Donc, les amis, je vous invite également à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde et Dunky. That's it, Brian.